Applaudissements. Des rires. Ah. Maintenant ça marche. L'écran n'a pas fonctionné. Bonjour tout le monde et bienvenue au 33C3. C'est très bien, c'est super que vous soyez tous là. Et bien sûr, nous voulons dire tout bonjour à tous ceux qui regardent le stream, que vous soyez à la maison, chez les amis, dans votre hackerspace. J'ai une question pour les gens qui sont là. Aujourd'hui, dans la salle, comme lui, donc tout le monde dans la salle et même ceux dans la police box, qui est à son premier congrès? Levez la main. Waouh, ça fait beaucoup. Waouh. Applaudissements. Donc, c'est les chaos. C'est le nouveau du chaos. C'est super que vous ayez trouvé le chemin. La première fois que j'étais au congrès, j'avais des sentiments mêlés. J'étais un peu nerveux. C'était « Ouah, qu'est-ce que je fais là ?» Et ensuite, les questions, c'était « Mais est-ce que je peux me cacher quelque part ou parce que j'ai peur de tous les trucs cools que les gens font ?» Où je suis pas un super technicien, je suis pas super bon en perles, mais et les années suivantes, c'était OK, mais aujourd'hui, j'étais de nouveau nerveuse parce que j'ai un peu de tract, mais ça va s'améliorer. Avant de venir à mon premier congrès, j'avais un peu la même impression, mais quand je suis arrivé, toutes mes peurs et toutes mes inquiétudes sont parties. J'étais tellement fasciné par tous les trucs qui clignotent, par tous les projets superbes, par l'ouverture des gens, l'ouverture avec lesquels les gens parlent. J'ai été dépassé par tout le travail que tout le monde fait, par tout le monde, pour tout le monde. Premièrement, on voudrait parler des angels, tous ces volontaires qui font tout ce travail pour nous et qui font que le congrès marche. Ils font beaucoup de travail. Ils font beaucoup de tâches différentes. Certains, vous les voyez, certains, vous les voyez pas. Par exemple, ils collectent les bouteilles. Et vous pouvez vraiment beaucoup les aider en laissant vos bouteilles au point de collecte. Dans ce hall, il y a 16 sorties de secours, 4 à gauche, 4 à droite, 2 au centre, 6 portes à l'arrière, 3 à gauche, 3 à droite. Merci de noter que la sortie la plus proche de vous peut se trouver derrière vous. Les angels font
beaucoup d'autres tâches différentes. Par exemple, il surveille les portes pour s'assurer que les halls ne sont pas surpeuplés. Parfois en français, on fait des traductions, parfois en français, comme vous le savez. Et quand vous perdez, il vous aide et nous vous aidons. Il vous aide aussi à trouver des boissons, donc par exemple dans le lounge. Pour, on va pas avoir le temps de prendre tous, de lister toutes les tâches qu'ils font, donc on va simplement dire merci avec un tonnerre d'applaudissements. Devenir un ange est très simple. Il faut juste vous inscrire dans le engelsystem.de, ensuite aller au ciel qui est dans ce bâtiment et trouver un boulot. Même pour votre premier congrès, vous pouvez faire quelque chose. L'effet positif, c'est que vous avez automatiquement des contacts avec d'autres personnes. Et si vous êtes timide, prenez une shift de nuit et ça vous aide et parler avec les gens, comme ça vous ne vous ennuierez pas. Je suis aussi fasciné par tous les gens qui vivent dans ce bâtiment pour tout construire et qui font les infrastructures, par exemple Internet. Mais ils nous amènent aussi les sofas et un grand globe enneigé pour danser. Et c'est uniquement possible parce que tout le monde a accepté un seul principe que tout le monde connaît, be excellent to each other, soyez excellents les uns envers les autres. Et ça rend tout ça possible. Bien sûr, le congrès n'est pas c'est pas un paradis. Il y a des conflits. Mais vous et nous, dans les dernières années, on a essayé de tout faire fonctionner, de rendre ça mieux pas à pas. Et je pense qu'on a beaucoup aidé, qu'on est arrivé relativement loin. Après quelques jours, mon premier congrès, j'étais certaine que le congrès fonctionne pour moi. Ça n'aurait pas été mon dernier congrès. Mais certainement, comme chaque année, le congrès a été fin et j'ai pas quitté le bâtiment et j'ai pris mon train et j'étais un petit peu déprimé. Les gens les plus excellents pour chacun, il y avait plus de considération, c'était une légère dépression post-congrès. Il y a certaines personnes la connaissent et je me suis posé la question, où sont les gens qui inspirent? Ce qui inspire cette équipe et où est ce respect sans considérer l'apparence, par exemple. Et chaque jour du camp au congrès laisse quelque chose qui pourrait être mieux, on est tous d'accord avec. Mais les 12 derniers mois nous ont donné des raisons pour être encore plus, pour vouloir un autre monde. Nous pouvons vivre une autre vie dans un autre monde. Nous pouvons faire ce que nous voulons, ce que nous aimons, avec des gens fantastiques. Mais quand vous prenez cette année, le motto de cette année, il ne pourrait pas y avoir plus de gros contrastes avec le monde extérieur. Là-bas, rien n'a l'air de fonctionner. Et j'ai beaucoup de bug reports à faire. Tous les bug reports ne sont pas forcément techniques, mais tous les bugs participent à ne pas faire que le monde marche pour moi. Cette année, on a vu nos libertés reculer de plus en plus. Dans les guerres sur la cryptographie qu'on a combattues il y a 10 ans, ça a permis de rendre la cryptographie accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, on en est à voir de plus en plus de backdoors dans tous les produits qui rendent les produits moins sûrs. Les services secrets tout autour du monde attaquent les systèmes, attaquent les services pour accéder aux communications, pour accéder aux secrets de tout le monde. Est-ce qu'on n'a rien appris des révélations d'Edward Snowden? On devrait... Est-ce que les,
Est-ce que les sociétés doivent vraiment aussi collecter toutes ces données? Ça ne marche pas pour moi. Mais il y a aussi un monde virtuel qui est un focus pour vous. Mais il y a aussi les violations des droits de l'homme, répression. Si certaines personnes fassent une répression s'ils se lèvent contre la répression. Des gens sont menacés de torture et de prison s'ils osent parler contre les problèmes. Partout dans le monde, les populistes peuvent agir dans le monde. À certains endroits, ils peuvent même avoir le pouvoir. Dans l'idée d'un monde connecté, nous allons vers l'isolationnisme et particularisationnisme et suprématie. Et dans ce climat, la haine et les agressions vers des minorités perçues arrivent. Les gens sont chassés dans la rue et des gens meurent. Et c'est quelques exemples importants. Et certaines personnes dans ces endroits, nous les voyons pas, mais ils sont là. La surexploitation des ressources cause des guerres et de la mort, juste parce que c'est pas chez nous, ne signifie pas que ça ne nous affecte pas. Et certaines personnes, et je pense en être aussi, regardent simplement ailleurs et ignorent. Et je pense que beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entre vous veulent rendre le monde meilleur pas à pas. Tous ces problèmes, il y en a beaucoup, grands et petits, peuvent nous rendre faire penser qu'on ne peut rien faire, mais on peut changer les choses. Mais il y a un bon message. Il n'y a pas besoin de tout faire tout seul. Regardez à côté, regardez vos voisins. Il y a 3 000 personnes dans cette salle et il y a 12 000 personnes dans le congrès qui est fantastique pour vous, pour apprendre à les connaître, pour devenir amis, pour les revoir. Et chacun d'entre vous a des habiletés c'est pas nous, c'est pas uniquement à nous de faire fonctionner le congrès, de nous connecter, c'est à tout le monde, de travailler sur des projets, lancer des projets, avoir des idées. Et c'est à nous de ne pas rester dans les communautés fermées et de transporter ce qu'on fait ici vers le monde. Nous ne pouvons pas nous cacher et on ne peut pas attendre que le monde devienne de mieux. Maintenant, plus tard, il faut qu'on prenne part. Sinon, il n'y a pas de jeu. Vous pouvez vous entraîner pour le There is no games. Quand vous avez votre bracelet, vous avez la possibilité de récupérer une carte. Qui en a une? Il y en a quelques-unes, on peut améliorer ça. Vous savez quoi faire. Ceux qui en ont déjà une ont choisi un nom et sélectionnez vos spécificités. Si vous n'avez pas de carte, ne vous en faites pas, vous pouvez en avoir une. Pour commencer, pas de jeu, mais action. Vous devez faire un gang avec d'autres personnes qui ont différentes habiletés, 9 habiletés que vous pouvez combiner. Vous pouvez bouger et agir ensemble. Vous n'avez pas besoin de faire tout seul. Il n'y a pas de jeu, il y a de l'action. Et maintenant, faisons commencer le congrès. Travaillez, amusez-vous, faites des choses et essayez de faire l'année prochaine être un peu mieux. Et au passage, et n'oubliez pas de vous laver les mains. Applaudissements. Lavez vos mains, prenez des douches et n'oubliez pas de dormir. Merci.